moun ki blessé, yo parlé de moun ki mouri, mais correspondant nous dans Port-au-Prince Massado Vilmé d'abord te parlé avec yo témoin. Événement lui-même parce que c'est dans marché à moi décidé moi dans business moi. Les courriers, plusieurs moun a couri ti marchand, moun ki vinn faire marché pour et pour là. Mais c'est ça qui passe, nan kèm di ah devant gen quelques bagages mais comme ça tout moun konn couri tout, gen pou konn fait sans pas gagner. Vous voyez c'est ça qui fait en pile moun pas ka gen temps comprendre. Mais par rapport avec intelligence moi. Deux premiers là qui passé yo, m'ai dit ah. Mais ça ou passé sans sentir un pied à terre. Yo tout tenu, il y en qui gon se misette seulement et puis il y en qui kembe pantalon, on me dit ah monsieur, on mauvais signe, gen les marché, gen les prison en bagage. Quand même yo dit go bon proche moi, on dame gavande beaucoup, il me dit qu'on fait connait. On dit nèg ça moi pied à terre puis nèg yo rose. Et plein bab nèg yo rose ça passé. Après ça bon. On va contrôler nèg qui à sa patte. Qui a peur de tout tenir. Tellement il y a un pile. Non, pas gagné qui pas gagné qui prend une balle parce que y a une machine nèg qui était tiré sur lui. Il y a l'assemblée qui était tenté pas connait la mission aller. Si gagné qui prend une balle, moi c'est pas gagné pas de cas la machine. Pas gagné monde machine qui victime. Non. Mais j'en dit que pas capable. Par contre si gagné monde plus bas dans courrier si aux victimes. Pas contrôler monde comme si monde pas capable. Dans un temps comme si m'a dit dans un temps côté mieux dans business me dit oui, ça fait 4. Ça fait 10 minutes au moment où il vient dépasser, je ne vais pas compter effectif. Là, parce que vraiment pile. En pile, je vais venir 45 minutes, bandit, à pourri derrière. Et il y a des gens qui ne pas même courir. Ils ont marché tout doucement, ils ont pris un maillot, des sandales, non. Ça a des amis. Le premier groupe, ils n'ont pas de amis même. Je ne souhaite pas manger. Mais c'est presque dans le dernier. Ils ont demandé comment ça s'est fait parce que les gens qui premier allé, il n'y a pas de manche. Mais parce que c'est le dernier qui a bien manche dans le mur. Vous voyez? Le dernier qui a bien manche dans le mur. Même qui dit, bah, on a dit, je ne vais pas faire tout ennemi, mon cher. La police a dit, comment faire tout ennemi, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Elle me dit, je ne vais pas faire tout ennemi. Monsieur dit, bah, je vais faire tout ennemi. Et puis, elle me garde là, moi, monsieur, je mange tout là. Et puis, on a même fait tentative pour me faire tout ennemi, même si je n'ai pas son cadenas dans la guérite là. Et puis, il me dit, je vais faire tout ennemi là. Et puis, je ne comprends pas comment faire là. Il s'est battu, il est sauvé, il a gagné un âme sous lui, et il a tout retiré. Mais le dernier, vous avez dit que la police était suivie ou tout, vous avez dit que la police était suivie? Non, pas, je ne sais pas si la police est civile, mais pour. Il n'y a pas de tirer, tout ça? Non. Mais il a tiré, c'est son machine, et vite pas filmé, il a tiré. Et puis la machine est allée. Témoin ça, c'est un petit businessman qui dans zone prison civile Croix des Bouquets qui était dans micro et correspondant à Port-au-Prince Massado Vilmé donc d'après en pile information qui a circulé sous net là un peu partout qui a parlé de mort, qui a parlé de monde qui blessé. Correspondant à Massado Vilmé était réussi à parler avec un prisonnier lui-même qui blessé en suivre. Donc c'était un prisonnier qui t'a parlé avec un correspondant nous dans Port-au-Prince Massado Vilmé. Massado Vilmé jusqu'à présent où sous place et qui sont qu'a dit nous dans ambiance là qu'on y a parlé de plusieurs morts. Est-ce que ou même et en tant que journaliste est-ce que ou est des morts ou même justement Jacques Mbélisé nous on a constaté 6 morts. Il y a 6 morts avec des missiles qui sont blessés là. Non, et nous sommes capables de constater que le commissaire gouvernement, que lui-même, il nous voulait parler de Guillaume, ensemble avec le commissaire police dans le Croix-des-Bouquets, qui était accompagné des juges de paix, Jacques Féis, lui. Eh bien, il faut connaître que tout le monde, c'est détenu.
Donc, il était vraiment difficile pour nous être capable d'identifier sur toutes ces prisonniers qui étaient. Eh bien, le commissaire lui-même qui ne voulait pas dire trop de bagages, il était seulement dit nous que tout le monde savait qu'il mourait, c'est prisonnier. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vraiment connaître qui ça qui passe en tant que civil là. Mais, faut nous dire, dans le moment qu'il a parlé là, eh bien, différentes unités qui sont dans l'institution policière lui-même, l'IOATA, l'opération lui-même, lui a continué. Je nous ai dit vraiment qu'il y a des difficultés pour les gens traverser quelques rues dans la commune Croix des Bouquets, surtout les jeunes garçons où j'ai besoin d'un carte d'identité pour traverser machine qui peut être sortie en deux marchés ou besoin pour fouiller ou pour traverser. Mais il y a une autre nouvelle qui a circulé, il faut reconnaître que la prison civile à Croix des Bouquets, c'est un président chef gang Anel Joseph qui était là dernier. Il y a un président chef de côté non et bout de Jean qui était là dans tout. Il y a un ancien député Anel Belizier qui était fermé en deux prison ça. Donc, nous ne pouvons vraiment confirmer si il même a livré quitter prison ou pas. Et jusqu'à présent, nous sommes place pour nous connaître vraiment qui ça qui passe en deux prison. Mais nous allons faire connaître, nous parce que nous-mêmes, nous pas vérifier que il y a un chef de la police, nous parler de M. Léon Charles, qui en dans le commissariat et nous-mêmes, nous pas vérifié. Et Masado et Vilme, nous, dans l'intervention que tu as fait pendant que tu as fait un Facebook en direct, où tu as parlé de coups de zame cap chanté, est-ce que, et qui j'ai ambiance ça? Est-ce que le toujours tendu? Est-ce que toujours un coup de zame cap tiré? Qui nous a parlé, Jacques Bézé, de moment nous a parlé avec Poukounia, jusqu'à présent nous n'avons pas donné aucun coup d'âme, mais la seule chose, nous toujours senti bien en tension en ville là, puisque nous même cherché entre la caillou, et bien, tant que nous disons, c'est seulement la presse qui est présente ensemble avec l'unité policière même qui là, ça va empêcher de gagner quelques gens dans la zone qui sont sous ligne et qui a gardé. Ah, nous perdu Masado Vilme. Donc, Masado Vilme fait nous connaître que lui-même, avec je parlais, lui, ouais, 6 mois, dans ça, qui semblait avec yon évasion, ou bien yon attaque qui fait sous prison civile, quoi, des bouquets. Donc, Masado Vilme a prêté sous place, et si gagne yon nouveau développement, n'a fait nous connaître. Pendant ce temps, l'autre point, dans actualité, dans le pays d'Haïti, ou sous la voie de l'Amérique, gouvernement haïtien mandé autorité dominicaine pour extrader en Haïti, ancien magistrat Port-au-Prince-là, Ralph Yuri Chevry, pour le vin répondre question, direction générale, direction centrale, police judiciaire, d'après nouveau secrétaire d'État, communication, Franz Exantus, qui était tout profité, dans rencontre avec la presse, a démenti rumeur qui fait qu'on est que, des soldats dominicains sous territoire haïtien pour venir aider à libérer deux dominicains qui en bas main kidnappeurs. Gouvernement démenti. Et puis, vous j'étais bien loin, parole de green gauche, qui t'a voulu faire quoi, l'État haïtien m'a dit concours, soldats dominicains, pour venir aider, libérer, deux ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine yo te mandé ça, mais gouvernement haïtien refusé catégoriquement. Faut que nous dit gen bon gens collaboration ak échange en deux gouvernements yo qui toujours gen bon rapport travail sous divers dossiers. C'est même tête ensemble ça qui gagnent dans traitement dossier qui concernait Zak kidnapping ça. Yon l'autre pas. Gouvernement annoncé li fait demande formelle bon côté gouvernement dominicain pour retourner en Haïti citoyen Yuri Chevry qui gen rapport serré ak individu ak zam kap simen la trouble dans pays ya. Sous base, bon Jean Preuve, direction centrale, police judiciaire, DCPJ, documenté. Peuple haïtien, gen droit qu'on est, qui est-ce qui est impliqué dans le compte maltaïe pour faire le crier tout le temps, yon façon tout pour la justice fait travail. Li. Dans ce sens, gouvernement compte sous collaboration à compréhension autorité dominicaine. Yo.
nouvelle qui sorti en République dominicaine fait connait que ancien magistrat Port-au-Prince a demandé asile non asile politique en République dominicaine. Et nouveau secrétaire d'État communication t'est tout profité réagi sous paquet et tollé qui gagne en Haïti après déclaration que président Jovenel Moïse fait devant Conseil de sécurité et Nations Unies, ça pas gagné longtemps là, donc lundi 22 à côté que le dit gagne des gangs qui yon même membre gang qui habillé tant coup journaliste pour capable faire des gars, donc ça qui mettait travail la presse en danger. Et nouveau secrétaire d'État communication t'a réagi sous question ça côté que le dit gouvernement prend toute disposition pour capable permettre que la presse fait travail. Nous ouais image, nous ouais vidéo sur tout réseau yo côté ces derniers temps systématiquement gagne des monde qui ou bien mette yo nan mitan journaliste ou bien mette koyo à la onya pour agresser policier yo. Nous ouais au moins à deux reprises gen monde qui prend caoutchouc tout l'humain pour fourrer en dans tête yon policier. Ça, li inacceptable et nous tout teuel. C'est dans ce sens ça, gouvernement a demandé nous même travailler la pression, rete veatif, toujours voyager yon sous l'autre, en façon les actes à y arriver, rapidement pour identifier individu qui fait là. Gouvernement a continué à garantir un bon climat pour tout journaliste, rive fait travailler sans problème. La police déjà recevoir bon j'ai instruction dans le niveau ça. Pour pas prendre un dans intimidation, deux protéger toute population notamment journalistes. Nous tous connaît qu'a font bon travail pour population non situation pile fois qui est difficile. M'a seulement ajouter liberté la presse pas en danger dans toute situation côté gain conflit gain manifestant toujours gain des incidents qui rivé côté la police a fait travail li gain gaz qui bail ça qu'arrivé comment pile fois journalistes pour yo ka joindre bon gens information yo coller avec moun k'ap faire affaire yo ça qu'arrivé la police tire un gaz pour éviter problème et puis malheureusement son machine la presse ou bien son journaliste qui victime mais pas aucune volonté pour que journaliste pas arrivé faire travail yo et gouvernement avec la police a continué garantie climat qui permet non seulement monde qui veut manifester dans la paix manifester monde qui cale l'activité ou quelques possibilités pour faire ça mais tout pour journalistes arriver fonctionner. C'était secrétaire d'État communication dans gouvernement et Jout Moïse là qui t'a réagi par rapport à en pile monde qui a dit que liberté la presse en danger dans le pays d'Haïti. Jodi à tout dans question politique, il y a plusieurs conférences de presse qui baillent. Mais avant nous retourner Port-au-Prince, nous allons rejoindre Sandra Le Maire qui va garder pour nous deux grands sujets. Premièrement, garde côte intercepté et plusieurs monde sous la mer qui t'a essayé de rentrer aux États-Unis et puis Médecins sans frontières en Haïti, eh ben, ils ont en difficulté. Sandra, dis-nous plus. Exactement. Donc, Jacqueline a commencé avec nouvelles sous Haïtiens que yo ramassé sous la mer. Donc, c'est garde-côte américain dans zone Miami qui fait arrestation. Ça, c'est ambassade américaine qui a annoncé nouvelle là en créole, en français et en anglais sous compte officiel Twitter Lia. Il dit que gagne 13 Haïtiens que yo arrêté avec you citoyens américains que processus pour rapatrier haïtiens a déjà commencé et que département sécurité nationale là que nous relais ici aux États-Unis Department of Homeland Security a mené enquête sous sous question ça et yo fait qu'on est une agent qui était travaille sous opération fait qu'on est que gain deux bateaux que yo saisi mais nous pas rien plus détails Jacqueline moi essayer contacter département sécurité nationale là Homeland Security pour qu'on gain réponse donc n'a chercher plus détails et nous espérer venir avec plus détails sur ça pour demain. Et puis Médecins sans frontières dans le pays d'Haïti en difficulté Sandra. Gros difficulté, c'est un bagay qui baille en pile que sauter parce que Médecins sans frontières a annoncé que l'ité s'est obligé transférer 21 patients que l'ité a traité dans un hôpital que les gagnent dans une zone qui est les Drouillards, dans Port-au-Prince et côté que yo est spécialisé dans traitement pour monde qui subit gros boulet. Et moun sa yo te obligé transférer yo sorti dans l'hôpital parce que
te gen yon laisse frapper affrontement entre gang côté qui te gen tiré yo te peuple sécurité yo jusqu'à ce que par mesure de précaution yo te obligé transférer moun sa yo sorti l'hôpital ça et yo voye yo nan yon lot l'hôpital que Médecins Sans Frontières gagnen et nan Tabor yo fait konnen ki yo très préoccupé par situation ça et que li gagnen conséquences sous patients yo moun ki boule yo moun ki vraiment besoin traitement ça parce que kounye an que yo vinn transférer moun yo nan Tabor Tabor c'est un centre pour moun ki traumatisé donc la dan gagnen moun ki c'est victime accident automobile crime violent bagay comme ça. Donc l'hôpital Tabor n'a pas gen même capacité que l'hôpital Drouillard n'a gagné pour traiter moun sa yo. Donc Médecins Sans Frontières mandé pour moun respecter l'hôpital yo avec moun kap travay dans l'hôpital yo pour yo pas vin commettre zak violence dans zone côté l'hôpital sa yo ye pour permettre yo prend soin moun ki besoin soin sa yo. Merci Sandra de tout connaître. C'est toujours un plaisir pour accueillir dans le programme là. Donc déjà m'anticiper pour me dire donc à demain. Merci Sandra. Sandra Lemaire, c'est un journaliste vétéran qui travaille pour Salle des Nouvelles, La Voix de l'Amérique là. N'a retourné dans Port-au-Prince côté secteur protestant a fait promotion pour un match qui gagne pour dérouler 28 février Capvin là donc dimanche prochain contre gouvernement. Pasteur Gérald Forge a lancé appel là. Dans le secteur protestant, il y a une décision qui prend pour nous dire, peuple, on nous prend la rue pour nous aller manifester pacifiquement, sans violence. D'ailleurs, on est chrétien, on va dans la violence. Donc, cette fois-ci, nous invitons toute couche sociale dans la société, pasteur, ougan, catholiques, professeurs, journalistes, avocats, tout le monde qui s'en est concerné, il est important pour nous faire une marque de présence dans la rue. Puisque Madame Lalim te dit, marche dimanche 14, à ces 3000 personnes seulement, ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on assez de monde. Eh bien, dimanche demain, nous allons mettre même 3 millions d'euros pour nous là. Pas 3 millions encore, non. Nous allons mettre 3 millions d'euros et puis pour nous connaître. Avec moun yo placé sous tête pays et que yo pas gagné pitié pour yes moun yo gagné affaire seulement avec un grand moun mais 11 millions 12 millions yo pas gagné yes pitié pour lui nous connaît peuple américain c'est un peuple moral ou yé canadien ou moral français tendez bien la caille nous n'a parlé de démocratie. Mais est-ce que dans le pays, nous, c'est un seul monde qui est élu qui a dirigé le pays nous? En Haïti, nous étions seulement un grand élu qui a dirigé le pays. Dès que la situation ça, eh bien, ou que ça va les velléités pour nous tourner dans la dictature encore. Pasteur Gérald Ford nan Forge nan yon conférence de presse te conférence de presse tout que opposition politique là té bay tout côté mettre André Michel qui c'est on apporte parole là et ben fait qu'on est que il a participé nan match ça que secteur protestant initié. La mobilisation ce n'est plus l'affaire de l'opposition. La mobilisation est multisectorielle. C'est la société haïtienne dans toute sa diversité qui s'engage dans cette bataille pour le respect de la Constitution. Parce que tout le monde reconnaît que depuis 7 février 2021, le mandat constitutionnel de M. Jovenel Moïse définit. Et aujourd'hui, Jovenel Moïse, là où il est au Palais National, c'est un usurpateur de titre, ce n'est plus un président constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en mobilisation. Ouais, avocat la donne, dans des fédérations des barreaux, entendez l'église catholique,
qui parlait, entendez, Monseigneur Dumas, qui représente aujourd'hui le porte-parole de l'Église catholique, qui fait le lien entre l'Église catholique et le peuple haïtien. Moi, entendez, position protestant, entendez, position droits humains, position diaspora, vaudouisant, jeunes et femmes, c'est tout pays qui est en mobilisation. Et journée, mobilisation 28 février, m'a dit encore, c'est pour aller une journée, mobilisation pacifique. Ce sera totalement pacifique. Et M. André Michel, sous table conférence, a gagné tous ces anciens sénateurs Nenel Kassi, yon nan leader yo, qui lui-même dit que il pas entendre répondre convocation DCPJ qui fixé pour demain 26 février 2021. Sénateur Kassi dit faut que DCPJ bay raison convocation. DCPJ conforme son dossier qui nan meon clair dit qui dossier lié, c'est la justice qui a tranché sous lui, avocat nous-mêmes n'a répondu devant la justice normalement avec toute garantie constitution et la loi ba nous. Et c'est ça qui est important. Et jodi a bataille qu'a fait là c'est bataille pour changement. Il pas qu'à camper dans route. Bataille a pas reposer seulement sur dôme, reposer sur tout le monde cap goumen. Et jodi a nous est toute voix qui levé pour dire autant pour dire c'est trop avec persécution politique là. Parce que son bataille qu'on a fait pour libérer le peuple. M'a dit nous pour me finir. Parce que question ça, il n'est pas non même encore. C'est non mais avocat avec peuple haïtien qui est. Nous pas fait rien pour aller en prison pendant qu'il n'est pas en prison. Nous pas fait rien pour aller en prison pendant qu'il n'est pas en prison. Parce que c'est dans la bataille où il est. L'on en bataille. Faut préparer pour tout ça qui arrive. Et nous-mêmes, j'en toujours dit là, nous faisons une bataille propre, une bataille démocratique. C'est servons-nous la loi qui vous sonne. Et nous prêté là-dedans, malgré toute provocation à faire. Sénateur Nenel Kassi qui normalement recevra une convocation dans DCPJ pour demain vendredi 26 février. Nous prenons en province qu'on y a sous la voie de l'Amérique, nous avons depuis Washington DC. Leader divers organisations société civile dans le département nord-est, toujours gain opinion différente sur situation pays à traverser journée aujourd'hui. Un reportage, Jodley Junior Saint-Ville. Coordonnateur initiative citoyenne pour le développement du Nord-Est, ICDN, là, Monsieur Francis Locher-Enfant, n'ayant interview Liba et la Voix de l'Amérique, mardi 23 février 2021, mandé président Jovenel Moïse, pour le pas quitter ses peuples à lui-même qui retirait le palais. L'état pibon, d'après ça le dit, pour c'est lui-même qui retirait col, parce que, depuis 7 février 2021, mandat fini. Monsieur Cher-Enfant. Même en dedans, initiative citoyenne du Nord-Est, nous en face on est ex-président et mandat président Jovenel fini le 17 février 2021. Et cependant, nous pas mandé, c'est de force pour le quitter par l'air, hein, mais gagner et possibilité pour lui-même en tant que ex-président pour le constater situation à vivre, je ne vous dis, hein, les barreaux, les avocats et tout secteur de la vie nationale mandé lui obligé faire geste passer pays en deal sans être assez pour permettre que il y ait un monde qui remplace. Poser la question sur dernière intervention président Jovenel Moïse dans Nations Unies, monsieur Cher-Enfant dit pas d'accord du tout avec dernière intervention ça pendant le condamné déclaration ça président fait comme quoi gagner des membres gang qui comprend chapeau journaliste pour attaquer la police. Mon cher, lui mandé que ça révolte tout le monde. Mais mon petit monde petit pas fait déclaration président fait journée aujourd'hui. Et bien cependant aujourd'hui ces journalistes lui attaqué. Pays en révolté et nous-mêmes personnellement tout, nous révolté contre déclaration ça. Yon l'autre côté, pour représenter force paysanne en Nord-Est là, Luxandre Justin, rété président Jovenel Moïse environ un an sous pouvoir. Et puis tout, contrairement à ça, en pile moun abdi, c'est pas menacer président Jovenel Moïse à menacer journaliste yon en pays là, mais plutôt c'est mauvaise infiltration l'a dénoncé. Luxandre Justin. Il n'y a pas que président et qu'a fait dernier année comme président, comme il a déjà déclaré année à son année électorale. Et gonfler pour être, même j'ai dit et à bas et dictature, je pense que c'est une seule façon capable de combattre un système, c'est à l'élection pour nous capables de remplacer Jovenel Moïse. Ça va durer un secret pour personne, parce que ils ont habité détecter bandits habillés en la police pour attaquer la police. Vous comprenez? Le bata dit, bon, si journaliste a fait le tout, parce que bien ça a l'infiltration.
Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelin, n'a quitté le pays d'Haïti et nous allons rejoindre Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, dans la première déposition qui fait dans le Congrès sous insurrection, qui t'a fait 6 janvier 2021, et t'as semblé avoir un problème de coordination entre services de renseignement américains. Dis-nous plus. J'en dis à vraiment, Jacqueline, c'est toute une série de dépositions qu'a fait devant deux chambres congrès, à parler du Sénat avec les chambres députées, pour qu'on ait raison, qui côté faire la tête, qui expliquait facilité que supporter ancien président Donald Trump ait gagné, puis être envahi congrès à la date 6 janvier. Et c'est des détails, ça, c'est problème, ça, que le congrès a cherché qu'on ait, pour qu'on ait, qui s'est passé et qui aura évité à l'avenir. En entendant ça que vous dit, non, voilà ça. Quelques jours après première série de positions sous attaque qui était faite dans le Congrès, si j'en vais passer à la question que tu as posée pour connaître si oui ou non, manque d'enseignement, t'es rendu facile pour supporter ancien président Donald Trump, t'es attaqué building, non. Quelques responsables parlementaires qualifient attaque là comme une attaque qui était planifiée et coordonnée. Ancien responsable sécurité dans le Capitole là, Stevenson, te fait des positions devant deux commissions Sénat, mardi 23 février, pour défendre action force de l'ordre, te prend avant et pendant l'évêque campé.